Bonjour, je suis très 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 heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du drapé et nous allons avoir aussi une belle démonstration faite par Linda. Alors avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors pour ne pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications par la petite cloche. Alors aujourd'hui, nous allons voir le drapé. Alors qu'est-ce que c'est que le drapé? Le drapé, c'est une représentation du tissu en peinture ou en dessin. Nous allons voir aujourd'hui donc des exemples. Je vais vous parler du drapé et nous allons aussi avoir une démonstration de drapé faite par Linda au fusain sur du papier à dessin. Elle va faire ça devant vous, ça va être un petit peu notre cobaye. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler qu'il y a un lien dans la description sous cette vidéo, et c'est très important, sur lequel vous pouvez cliquer pour vous inscrire et recevoir un cours gratuit de peinture gratuite en peinture à l'huile, peinture acrylique. Sur le paysage, ça s'appelle la peinture de paysage facile. Un cours sur 6 jours. Pendant 6 jours, vous allez recevoir un message, un email avec un lien pour aller voir les vidéos du jour. Alors, ce n'est pas une vidéo, c'est plusieurs vidéos par jour. Et vous allez voir, c'est un cours qui est vraiment très très complet. J'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment un cadeau pour vous. Alors, le drapé, c'est un exercice qu'on fait dans toutes les écoles d'art. Le drapé, c'est un exercice de dessin qui a de nombreux avantages. Ça va nous permettre, eh bien, d'apprendre à dessiner de la meilleure façon qui soit, parce que le drapé, c'est du tissu qui est posé d'une manière ou d'une autre. On le fait tenir avec des pinces ou des épingles sur un support, puis on laisse pendre le tissu, ça donne des formes différentes. Et ces formes sont différentes tout le temps, c'est jamais pareil. Et on éclaire ça avec une lumière directe. Donc on va avoir des belles ombres. Cette lumière, si on la déplace un peu, ben, le drapé va changer. Ça ne sera plus le même motif, le même dessin. Si je bouge un petit peu mon tissu, c'est différent. Ce qui fait que ce sujet que nous allons représenter en dessin ou en peinture, on ne peut pas le connaître. On ne peut pas l'avoir dans la tête, en mémoire. Donc lorsqu'on va le représenter, on va devoir le faire vraiment comme on le voit et non pas comme on le sait. Et ça, c'est toute la base du dessin. On l'a vu lorsqu'on avait fait notre vidéo où Linda avait fait pour nous. La vidéo s'appelait le dessin d'observation versus dessin de mémoire. J'avais mis un verre et une fourchette, puis elle l'a observé pendant un certain temps. Je l'ai retiré, puis elle a essayé de le dessiner avec la mémoire de ce qu'elle avait observé. Puis le dessin ne fonctionnait pas, c'était un dessin complètement manqué et c'est normal. Après ça, j'ai remis le verre et la fourchette et je lui ai demandé de le faire comme elle le voyait. Et là, en observation, le dessin a été beaucoup mieux, il était réussi. Il peut y avoir quelques petites imperfections parce que on apprend quand même. Mais c'était vraiment un dessin d'observation réussi. Donc l'observation gagnera toujours sur la mémoire au niveau du dessin. Cependant, une fourchette, c'est une fourchette et on peut se rappeler comment s'est fait une fourchette. Donc on peut des fois manquer un peu d'observation. Et se rappeler qu'ici j'ai trois dents, fait que je vais faire mes trois dents de fourchette, et là je travaille trop avec la mémoire et non plus l'observation, et là je manque à mon dessin. Bon, mais ça ne peut pas arriver avec le drapé. Ça ne peut pas parce que c'est jamais pareil. C'est comme si on voulait représenter une boule de papier froissée sur une table, avec ses ombres et ses lumières. On ne froisse jamais une boule de papier de la même manière, donc on ne peut pas travailler avec la mémoire. Et tout est là. Et donc le drapé, depuis l'Antiquité, ça a servi de modèle de dessin. Et regardez les tableaux de la Renaissance, du Moyen Âge, vous allez voir des super beaux drapés. Et l'avantage du drapé, c'est de pouvoir représenter son effet tridimensionnel, ses ombres, ses lumières. On arrive à voir où le tissu s'en va, puis revient, qu'est-ce qui est plus saillant vers nous, qu'est-ce qui est plus creux, comment il est lourd, ou au contraire, comment il est léger, comment il est opaque et épais, ou comme il est transparent. Comment il est plutôt mat ou comment il est plutôt brillant.
On peut représenter tout ça avec le drapé, les exercices de drapé, c'est vraiment merveilleux. On peut même voir la texture du tissu. Et l'avantage du dessin de drapé, c'est qu'en représentant les choses comme on les voit vraiment, en dessin ou en peinture, on va arriver à sortir un dessin ou une peinture qui va bien représenter tous ces états, tous ces aspects, toutes ces qualités du tissu qu'on a sous les yeux. D'ailleurs, j'aimerais vous montrer quelques exemples. Regardez quelques exemples de drapés dans des tableaux célèbres. Voilà, donc vous avez reconnu des tableaux très célèbres, des tableaux que vous avez déjà vus, que vous connaissez de Vermeer, Dürer, Renoir, Cézanne. J'aime beaucoup Cézanne et ces natures mortes où les torchons sont vraiment superbement bien représentés. On voit bien les drapés, les ombres, les lumières, les effets tridimensionnels sont là, alors que quand même c'est une peinture impressionniste, donc c'est pas très très réaliste. Mais on arrive quand même à sentir ça, la nature du tissu, c'est ça qui est merveilleux. Je pourrais aussi vous montrer quelques drapés que j'ai fait moi-même, donc surtout pour des cours de peinture. Des fois on fait un personnage et puis bon, le drapé est là, veut pas, il est ici, si la personne a du tissu. Alors aussi du très impressionniste au plus réaliste, en partant de Renoir en allant jusqu'à Berthe Morisot et en passant par Hopper. Voici quelques exemples des drapés que j'ai réalisés en peinture. Voilà, alors c'est sûr que ce sont des drapés qui ont été faits dans des cours en vidéo, pour la plupart, je pense, et donc ça a nécessité quand même un temps réduit, étant donné que la vidéo ne peut pas durer 10 heures, mais tout drapé, on peut le faire dans le style qu'on souhaite, de l'expressif au très très réaliste, au photoréaliste, en passant par l'impressionnisme, ou simplement un petit peu moins poussé au niveau du réalisme. Mais c'est ça, on peut tout faire comme style, mais l'important quand même, c'est d'avoir un rendu réaliste du tridimensionnel, du relief. C'est ça le but. Parce que si on ne fait pas suffisamment bien les ombres, les lumières et les contours, on va avoir l'impression peut-être c'est plat, ou peut-être que ça va creuser au mauvais endroit, ou devenir saillant au mauvais endroit. Alors toute la difficulté, c'est ça, c'est de rendre le drapé réaliste dans son effet tridimensionnel. Et comment on va y arriver? Tout simplement en représentant avec le plus de fidélité les ombres et les lumières, comme on les voit. Attention, il faut un modèle, on n'invente pas. Seuls les experts pourront l'inventer. Mais si on est un peu débutant en peinture, il vaut mieux avoir un modèle. Et le but, c'est ça, c'est d'apprendre à observer. Donc, la représentation d'effets tridimensionnels passe par la représentation exacte de ce qu'on voit des ombres et lumières. On a les ombres fortes, on a des ombres plus douces, on a des lumières fortes, on a des lumières plus douces, on a des reflets de la lumière dans l'ombre. Et surtout, de bien observer et bien appliquer ce qu'on voit au niveau des contours de chaque forme. Les contours vont être très nets, très découpés parfois, mais ça c'est plutôt rare, parce qu'un tissu sera toujours un petit peu au minimum arrondi. Donc dans un drapé, les découpages nets, ce n'est pas vraiment là. Ça peut être là, mais très rare. Donc le découpage du net au fondu, au très fondu, voire même au perdu. Perdu, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le découpage entre la partie lumineuse et la partie dans l'ombre. Des fois, c'est complètement flou. C'est tellement dégradé qu'on n'a plus de contour. On appelle ça des contours perdus. Et ça va nous permettre, juste en observant tout ça et en le représentant comme on le voit,
Eh bien, on va réussir à rendre non seulement l'effet tridimensionnel du tissu, mais à savoir si le tissu est épais ou mince, s'il est opaque ou transparent, s'il est brillant ou mat. Et on peut même voir, si on va pousser plus loin le réalisme, la texture du tissu. C'est un tissu très texturé, ça pourrait être une toile de jute par exemple. Alors, tout est là-dedans. Mais bien entendu, ça va de l'exercice de quelques minutes à l'exercice de plusieurs heures, jusqu'au travail acharné de plusieurs dizaines d'heures pour obtenir un résultat simple, à très détaillé. Chacun a sa manière de dessiner, chacun a sa manière de peindre. Moi, je sais que personnellement, sur ce genre d'exercice que Linda va faire bientôt, là, j'aurais pas passé plus qu'une heure parce que on risque aussi à un moment donné de perdre la concentration. Puis le but, moi, ça me satisferait d'avoir travaillé une heure là-dessus, puis j'ai ça. Voyez? Une autre personne va dire non, non, moi je vais passer une heure, 2 heures, 3 heures de plus, je veux que ce soit parfait. Mais là, à ce moment-là, l'exercice d'observation, pour apprendre à observer, on va le dépasser. On va le dépasser un petit peu plus. Libre à vous de faire comme vous voulez, mais ce qui est important, ce que je souhaite, c'est que cette vidéo vous soit utile avec cette démonstration que va nous faire Linda pour que vous puissiez vous aussi pratiquer cet exercice-là pour le plaisir, être, on va dire, avoir un meilleur sens de l'observation et mieux réussir nos peintures et nos tableaux. C'est bon? Alors, tiens, je vais arrêter de parler. On va recevoir Linda qui va vous faire cette démonstration. Et voici donc maintenant la démonstration de dessin de drapé. Puisque comme on dit, une image vaut mille mots, ben là nous allons voir. Donc c'est Linda Eh oui, encore moi. qui va se charger de ce travail-là, qui va être un petit peu notre cobaye aujourd'hui, et qui va nous montrer comment on va faire un dessin de drapé à partir d'un modèle, un petit montage sur le motif. Et donc, on va voir un petit peu, c'est ça, les difficultés, comment il va falloir gérer absolument tout ce qu'il y a dans un drapé, c'est-à-dire le dessin d'abord à la ligne, les contours plutôt nets, plutôt fondus ou perdus, les ombres, les lumières, les dégradés, les valeurs surtout, combien foncé, combien pâle. C'est vraiment pas évident. C'est pas évident. Pour dire que j'ai jamais fait ça, hein. C'est la première fois. Ça va être son premier Oui. drapé. Et donc, tu vas faire ça au fusain. Ah, j'adore le fusain. Oui, ben oui, c'est ça. Mais c'est comme la pastel sec, moi je trouve. Oui, Ça se ressemble. un peu comme le pastel sec, sauf que c'est tout en noir et blanc. Au Oui, lieu d'avoir la une gestion couleur. des couleurs, tu as seulement à gérer le noir, le blanc. C'est bon, fait qu'on va s'installer, puis Linda va faire cette démonstration exprès pour vous. C'est notre cobaye, alors s'il vous plaît, soyez Amusez-vous. indulgent. Linda va tenter de réaliser ce drapé devant vous et l'avantage, eh bien, c'est que je vais pouvoir lui donner des instructions en direct live, ce qui fait que elle va rencontrer des difficultés, ce qui est tout à fait normal, même moi j'en rencontre. Mais ces difficultés-là sont certainement les difficultés que vous aussi vous allez rencontrer. Et je pense qu'il n'y a pas quelque chose de mieux que ça pour vous donner aussi les bonnes instructions à vous lorsque vous rencontrez ces difficultés-là. Dans un sens, je me mets à leur place. Exactement. Je suis Tu te mets à débutante leur là-dessus. place et voilà, c'est ça. Hein, c'est sûr que c'est pas un lapin de Disney World ou Non. autre, là, ou un lion, un tigre. Ou un René. Oui, c'est ça. C'est du drapé, c'est quelque chose que tu n'es pas tellement habitué à faire, donc on va profiter justement de cette chose-là. Alors, comment est-ce qu'on commence le drapé? Dans un sens, ben, c'est assez simple. Déjà, tu te limites dans le papier à ne pas aller sur les bords du papier. Ça. Tu te dis, je vais travailler Ici. là, OK. et je ne vais pas aller plus loin que ça. On ne va pas sur les bords du papier comme on ferait avec une peinture. Ensuite de ça, sur le modèle, je vais prendre un pinceau pour te pointer sur le modèle. Sur le modèle, tu vas travailler. Tu ne fais pas ce qui est complètement en haut, ce n'est pas nécessaire. Tu ne fais pas ce qui est en bas complètement. Et on ne sait pas où on va s'arrêter, à droite et à gauche. Donc, tu vas commencer par le centre ici, là. Les plis qui sont ici.
Après, tu vas faire celui-là, 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 celui-là. Puis à un moment donné, tu dis, bah, là, j'arrête là. Je ne vais pas plus loin parce que sur mon papier, ça serait trop loin. Je ne vais pas plus loin. Tu sais, tu t'entraînes à faire juste ce qui est ici à peu près. Tu sais. Ça serait intéressant d'aller chercher cette courbe en bas ici. Mais peut-être pas ici, on va être trop bas, tu vois. Tu arrêterais comme ici à peu près. Là. Ça ferait un carré comme ça. Pour ne pas se perdre, parce qu'on a tendance à se perdre dans du drapé. L'idéal pour ne pas se perdre, ça va être de tracer tes lignes de dessin, de repères, si tu veux, pour chaque pli, si tu veux. Tu fais un pli ici, il y en a un autre ici, il y en a un autre ici. Mais si tu dessines aussi la ligne des ombres portées, tu ne sauras plus si c'est une ligne d'un pli ou une ligne d'ombre. Donc, il vaut mieux pas les dessiner les ombres portées par des lignes. À ce moment-là, une fois que tu auras placé cette ligne ici, tu sais, celle-là, 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 peut-être celle-là. Après, je vais intégrer Après, les angles. ton ombre, tu l'as fait avec ton fusain à plat. Et donc, ça n'est plus une ligne, mais c'est une masse. Et tu commencerais par faire tes masses d'ombre les plus fortes. Tu les places, sans trop tenir compte pour l'instant de son contour, s'il est net ou s'il est flou. Mais comme ça, tu vas avoir les indications pour bien savoir où est-ce que tu te trouves dans ton dessin. Et après là, tu vas commencer à juger, évaluer et représenter sur ton papier exactement comme tu vois. On va dire les valeurs, hein, par exemple, ce foncé ici est très foncé. Ce foncé ici est moins foncé, tu vois-tu? Puis on a ce blanc qui est moins blanc que celui-là. Donc tu vas évaluer tes valeurs. Et La zone des gris là que tu fais oui, là, c'est ouais, ça. Et il faut aussi bien évaluer les contours. Comme par exemple, entre cette ombre portée et cette lumière, la ligne est assez découpée. Mais pas nette, complètement nette. C'est un peu découpé ou un petit peu fondu. Par contre, entre cette lumière et cette ombre, c'est très 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 fondu. Il n'y a plus de ligne finalement, on appelle ça un contour perdu. Entre cette ombre portée et cette lumière ici, c'est plus net et ici c'est plus fondu. Tu vois-tu? Oui, je le vois. Voilà. Tu vois, il y a des différences qui sont subtiles et il faudra bien les représenter. Entre ce pli ici, cette ligne ici, et ici, là, le découpage est vraiment plus net parce que ça découpe vraiment, c'est le tissu qui arrête là, il arrête. Même, je le vois ici, c'est plus foncé. Regarde ici, là, c'est plus pâle, puis arrive ici un petit peu plus foncé, la Voilà. ligne, c'est ça? Tout est subtil. Alors, pour faire tout ça, n'hésite pas à utiliser donc ton fusain à plat. Mon fusain à plat, c'est Ton ça? fusain, tu peux le mettre à plat, tu peux le mettre, travailler avec le bout du fusain, avec le fusain à plat, avec tes doigts. Une fois que tes doigts sont sales, ça va faire un gris plus pâle ou plus foncé selon comme il est plus sale ou quoi. Et tu utilises la gomme à effacer pour amener tes blancs. Sache une chose, l'important, c'est que, non, c'est pas la rose, l'important. J'allais dire. Ce que tu as de plus blanc ici, c'est le papier. Il n'y a rien de plus blanc que ton papier. Et encore, il n'est pas tellement blanc, si tu regardes par rapport à la planche ici. Ici, le plus blanc, C'est lui. c'est le tissu dans la lumière ici. Et ce tissu blanc, il est plus blanc que ta feuille de papier. Donc, le ratio, le rapport, si tu veux, de valeur, le rapport de valeur, c'est que si ça, c'est ton blanc de papier, forcément, ton foncé que tu vois ici, là, un petit peu plus foncé, ou là, il va Gris un être petit un peu peu plus. plus foncé là. Et ce foncé ici, là, il va être un peu plus foncé sur ton papier parce que ce qui est important, c'est de garder la même relation de valeur. Ça veut dire que lui, le blanc, qu'est-ce qui est blanc? Je fais seulement les lignes qui vont faire sortir. Oui, Bon, J'y touche pas en voilà. mettant du Non, c'est fusain. ça. Et si jamais tu l'as un peu sali, ben, avec la gomme à effacer, tu Je l'effaceras. l'efface. C'est bon? On y va comme ça. Et puis, donc, au fur et à mesure que tu vas avancer, je vais te donner des petits conseils ou bien t'interrompre pour te dire attention, il y a une petite erreur, fais attention à ça. Mais je vais quand même te laisser aller parce que si je t'interromps à toutes les 2 minutes, je dis, hey, t'as pas fait ça comme il faut. Et là, tu vas me dire, oui, mais j'allais le faire. Il faut quand même te laisser le temps. C'est C'est bon? sûr, je vais faire des erreurs, mais probablement par moi-même, je vais les voir puis me les Combien de corriger. temps ça va prendre pour faire ça? On ne peut pas le savoir. Je ne sais pas. On ne peut pas vraiment le savoir. Si moi je le faisais en ayant un peu d'expérience, je dirais que peut-être pour le faire assez bien, ça me prendrait 1 heure. Tu Et vois? moi, ça dure 10 Mais heures. peut-être je me trompe, peut-être ça prendrait 1 heure et demie. Je crois que ça va donner 1 heure, mais peut-être ça va durer 1 heure et demie. Même moi, j'ai du mal à l'évaluer, à l'estimer.
Donc, on va y aller comme ça. Pour les conibas, alors je vous laisse avec Linda et son drapé. C'est pas la fourchette. Vas-y, c'est parti. Ok. Alors, il se peut que l'angle de vue que vous avez sur le drapé soit un petit peu différent de celui que voit Linda. Puisque si j'avais mis la caméra vraiment à la place de ses yeux, ben vous verriez le dos de sa tête et non pas le drapé. Donc, j'ai dû décaler un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir à la fois le modèle et à la fois son dessin. Mais tenez compte qu'il y a un léger décalage de l'angle de vue. Lorsqu'elle aura terminé le drapé, je prendrai une photo du modèle et du dessin, puis on pourra les mettre côte à côte pour les comparer. Il est évident aussi qu'elle ne fait pas un dessin à la visée, c'est-à-dire que les proportions peuvent avoir quelques légères différences, parce qu'elle dessine aussi sur le vif, sur le motif. Si j'avais pris une photo du drapé, et si elle avait dessiné d'après la photo, on aurait pu faire une mise au carreau pour avoir l'exactitude des proportions. Cependant, une photo n'est pas sur le vif. On va dire que c'est beaucoup plus facile. Sur le vif, c'est plus difficile parce qu'on a vraiment sous les yeux un modèle en trois dimensions. Il peut arriver aussi parfois que lorsqu'on fait notre dessin à la ligne, on peut très bien le croire juste et au moment où on va poser les ombres et lumières, on peut aussi s'apercevoir qu'il y a un petit décalage, une petite erreur de proportion. Et c'est au moment de poser les ombres qu'on va pouvoir apporter les corrections, les modifications au dessin initial. Alors pour l'instant, ça a l'air correct, bien que, vous voyez, c'est un dessin à la ligne au contour, n'ayant pas les ombres et lumières encore, j'ai du mal, moi personnellement, à voir où se situent les lignes, ou si je ne suis pas dans le même angle de vue qu'elle. Et par contre, quand elle va commencer à placer ses ombres et ses lumières, moi je serai moins perdu pour, et je vais voir un peu plus le résultat. Mais je sais que, étant donné qu'elle est concentrée dans son mode d'observation, elle voit mieux les choses que moi qui suis un spectateur. Parce qu'elle, en ce moment, et moi en ce moment, on n'est pas sur le même côté de notre cerveau. Disons que, au premier abord, ça a l'air très, très bien. Ouais. Oui. Oui, je pense que j'ai... OK, j'en ai l'autre ici. Tu vois, je l'ai pas vu. Si j'arrive ici, c'est sûr que... Ici, oui. À peu près ici. Moi, je suis tenue. Ouais. Pour moi, ça a l'air bizarre un dessin comme ça, mais... Oui, mais c'est bizarre. Oui, oui. Parce que c'est des lignes, hein. Et des lignes de contour ne représentent jamais le réel. Ouais. Bon, ben. Fait que l'étape suivante, ça va être de placer tes zones les plus foncées, donc par tâche, mais
pas aussi foncé que ce que tu les vois pour l'instant. Laisse-toi une marge, on les refoncera plus tard. Ouais, Et ok. ça va vraiment beaucoup t'aider pour te situer, te repositionner éventuellement. Ok. J'avais ce fusain-là Moi, je ou... prendrais le gros, je le mettrais à plat. Mais là, je ne peux pas plat, plat, plat. Non, mais c'est ça, oui, déjà, il est large exprès, voilà. Vas-y avec les plus foncés. N'oublie pas que si c'est trop foncé aussi, tu vas estomper un peu avec ton doigt Ouais. et ça va pouvoir l'éclaircir un peu. Ok. Les plus foncés, il faut que je mette. Oui, les plus foncés que tu vois. Ok, ah ouais. Tu vois, il faut faire attention pour mettre nos mains là-dessus, sinon, hein. Bon. Ça. C'est pas grave. J'aime beaucoup ça. Oui, c'est plaisant, hein? Ah oui, j'adore ça. Quand on fait ce genre de dessin, on rentre comme dans une bulle. Je ne veux pas perdre mes... Reste large, fais pas trop de détails, fais une vision large de ce que tu fais. On rentre pas dans le détail tout de suite, tu reviendras après. Ah, ok. Très important, vas-y, large, large, large. Si tu as sali avec ton doigt, laisse-le ton salissage. Ok. Ou efface-le juste avec ton doigt, pas avec les faces, tu l'étends. Ok. Parce que à date, là, ce que je vois, c'est que tes contours sont peut-être déjà trop beaux, trop nets. N'oublie pas une chose, c'est que il n'y a rien de blanc, vraiment blanc là-dessus, donc t'inquiète pas si tu salis. Ok. Ouais, sinon... T'as fait une tache avec ton doigt, étends-la plutôt que de l'effacer. À la limite, si ton papier devenait tout gris pâle partout, et qu'après tu utilises la gomme à effacer juste pour faire réapparaître les blancs des lumières les plus fortes, ça serait encore mieux. Ok. Et pendant que tu fais ça, tu peux aussi commencer à régler un petit peu tes contours. Par exemple, cette tache très foncée que tu viens de faire, de quel côté elle est plus fondue, de quel côté elle est plus nette? Tu veux dire quoi? Ça, c'est plus foncé, puis ça, c'est moins foncé, Non, c'est je ça? parle des Ah, contours, ici, les ça. fondus. Par exemple, ça ici, tu vois, ton foncé ici, il est très découpé à droite et très découpé à gauche. Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus fondu que l'autre? Ah oui, ici. C'est ça? Donc, tu Ouais. peux déjà avec ton doigt estomper un petit peu ton contour Comme là. ça. Oui, comme ça. Non, mais vas-y. Tu passes ton doigt, tu le fais glisser sur le bord, comme ça. Le bord, sur le bord. Sinon, tu en enlèves trop. Tu vois-tu ce que je veux dire? Non, le bord se faisait ici. Le contour, celui-là ici. Ici, là, regarde, comme ça là. Ouais. Ah, ok. Et là, je l'ai fondu, tu vois. Ok. Si tu veux le fondre un peu, tu peux le faire aussi en le faisant moins fort. Comme ça. Et là, tu vas régler. Régler la netteté des contours. Plus net, moins net. Un peu fondu, beaucoup fondu ou complètement perdu. Tu comprends? Ou t'es perdu?
Non, je sais, je suis rendue ici. Là. Voilà, c'est ça. Tes doigts sont des outils de dessin. Je peux-tu aller chercher le gris que je vois ici plus tard? Tu peux tout, oui, là, vas-y. Okay. Oui, par exemple... Sinon, je le perds. Sinon. Effectivement, maintenant que tu as installé ces deux taches de foncé, tu pourrais régler ça ici, rentrer un peu plus dans les détails ici, travailler vraiment le cœur du dessin, ouais. Et plus tard, t'en aller vers l'extérieur. OK. Oups, là, je vais essayer ici, ça là. En fait, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, on va dire officiel, pour avancer, pour travailler, pour progresser dans ce dessin. Chaque personnalité va pouvoir travailler à sa manière. Mais il ne faudra jamais oublier que tous les éléments du dessin doivent être en relation les uns avec les autres, de par leur valeur et de par les contours. Et le risque, lorsqu'on travaille trop détaillé à un seul endroit ou qu'on commence à détailler trop vite, on n'observe pas le dessin dans l'ensemble et la relation d'un endroit dans le dessin à un autre endroit, pour les valeurs et les contours, risque de ne pas être, on va dire, correspondante. Les fesses, je peux le prendre après, tu me dis. Oui, la gomme effacée, ça sera... Dis-toi une chose, ta gomme effacée sera un outil pour faire des blancs bien blancs. Et garde-le plus pour la fin. OK. C'est vrai qu'à un moment donné, on se perd. On se perd un peu. Ah ouais. Comme ici, je le vois plus gris, mais ici, ça s'en vient plus blanc, fait que je le fais moins, c'est ça? Oui, c'est ça, mais si tu peux remettre plus de fusain, si tu veux noircir plus à un endroit... Oui, comme si... Là, tu rajoutes des couches, voilà. Tu sais que ton doigt, il enlève le fusain jusqu'à temps que ton doigt soit plus sale. Donc, garde-toi un doigt très sale et tu utiliseras toujours le même doigt très sale lorsque tu veux juste étendre du fusain, mais garder foncé. Tu vas utiliser des doigts plus propres pour en enlever s'il y en a trop. Ça sent le blanc, et après je vais aller le faire. Avec la gomme à effacer, tu vas te tracer tes lignes blanches après, oui. OK, là, je suis ici. OK, là. C'est pas évident, à vous dire, là. Surtout quand il est devant combien de personnes, là. Non, ils sont pas nombreux. Juste trois ou quatre à te regarder, là. Ah oui? Avec moi, ça fait cinq. Mais ils sont habitués à moi, fait que c'est moins pire, là. Ils vont m'encourager, ils vont dire, ben oui, Nanda, t'es capable. Bon, on approche des 100 000 abonnés quand même. Ah oui, ben c'est bien. Elle est plus foncée. Après, ça vient ici, c'est ça. Faut pas avoir peur de foncer quand c'est l'air. Oui, ça c'est un mot-clé aussi, ne pas avoir peur. Ouais, parce que notre problème, c'est ça. Hein? Tout se corrige. Ouais. Je vais continuer, là. Je vais arrêter de focusser qu'à une place. Là. Oui, c'est ça, c'est bien comme ça. Oui, parce que sinon... On... Exactement, ouais. Pour garder la relation justement avec les autres endroits du dessin. Moi, ouais, j'ai un bon professeur pour ça, pour les vidéos, quand je te corrige. Là. J'écoute, j'enseigne. Ça, c'est un petit peu... Thank you.
Bon, il est évident que quand on est beaucoup en concentration, c'est fatigant aussi. De temps en temps, on peut se détendre en allant faire des ombrages sur des parties beaucoup plus grandes qu'on n'a pas encore travaillées, sur les côtés gauche et droit ou dans le bas du dessin. Et on peut venir. C'est bien aussi de changer d'endroit pour se détendre. Un peu comme quand tu fais un portrait, tu fais les yeux, le nez, c'est fatigant, et puis on dit, oh bon, ben là, je vais faire un petit peu le fond, l'arrière-plan, ou je vais travailler un petit peu sur les épaules, les vêtements, ces choses-là, pour se reposer un petit peu de toute cette concentration-là. Non, c'est pas évident du tout, du tout. Non, non, on pense que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Non. Ok, je suis rendue là. Ça, c'est pour les plans. Ça, ok. Façon, comme tu dis, on met de foncé, puis après, on va aller. C'est très facile d'estomper, de diminuer un petit peu l'intensité d'un foncé au fusain. C'est très facile. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'en mettre trop. Ouais, c'est pas assez. On est sur un papier à dessin qui est très lisse. Donc le fusain n'accroche pas trop. Ben après, c'est avec la pratique, je pense qu'on peut apprendre. Hein? Moi, je... Oui. Ah oui. Tu vois, si tu en faisais un petit peu tous les jours, tu serais même meilleur. Ouais, mais tu me tiens occupée avec les montages. Ah oui, j'aimerais ça, là, d'en faire tous les jours. J'adore dessiner. Sur le motif, j'aime bien ça ici, là, comme ça, là, qu'est-ce que je fais. Bon, on va me déniaiser un peu. Oui, lâche-toi loose. C'est très important, lâche-toi Ouais. loose. Je pense que jusqu'à maintenant, il me semble que tu es soit intimidé, Peut-être. soit tu travailles avec beaucoup, beaucoup trop de retenue, je trouve. Ouais. Lâche les épaules, laisse-les descendre. Décontracté, laisse-toi aller. Il n'y a aucune erreur que tu ne pourras pas corriger. Non. C'est juste un dessin, ça ne mord pas. Non. C'est toi qui vas me chicaner après. Ouais, mais ça sera. Pas devant la caméra. Voilà, c'est ça. Après l'enregistrement. Ah ouais. OK.
Ah ben ça a bien avancé, c'est bien, tranquillement, tranquillement. Le fait de ne plus vraiment avoir parlé, d'être resté sur la concentration, ça marche mieux. On rentre mieux dans notre bulle là, quand on fait ça, c'est sûr que ça demande tellement de concentration que il vaut mieux vraiment s'isoler complètement, ne pas parler. C'est très très bien. Et puis le fait aussi d'avoir pu, on va dire, relâcher. On va dire ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire la conversation, ben on se concentre mieux. On arrive à mieux faire nos choses pour mieux observer. C'est ce qui fait que ça a mieux fonctionné à partir du moment où on a commencé à arrêter de parler. C'est tout à fait normal. Le fait est aussi que Linda, tu es partie directement sur ton dessin officiel. On n'a pas fait d'échauffement avant, tu n'as pas fait une pratique, tu n'as pas eu le temps de rentrer sur le bon côté de ton cerveau tranquillement. Ce qui fait que, on va dire, ton début, qui est aussi un peu la partie la plus compliquée du dessin, va peut-être nécessiter des retouches maintenant. Et là, tu vas revoir ton modèle d'une manière différente et tu vas dire, mon Dieu, mais. Là, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, c'est tout à fait normal. Donc, tu peux revenir retoucher ce que tu veux, hein, pour le mettre à ton goût, n'aie pas peur. À date, c'est bien. Oui, par exemple, un truc tout simple, tu vois, regarde. Ça ici, là. Ta ligne ici, je vais me montrer sur le dessin. Je ne sais pas si on va me voir sur le dessin ici ou on me voit sur le dessin. Cette courbe ici, là, tu vois. Ça part comme ceci, hein, n'est-ce pas? Est-ce Ouais. que ce n'était pas un peu dans l'autre sens, normalement? OK, celle-là, c'est le Celle-là. petit. Celle-là. Ah, mais où je le vois, moi, je le vois comme ça. Oui, tu ne le Ben vois pas plus comme ça, ou au moins tout droit, non? oui. Non. Non? Ok. Peut-être tout droit, oui. Parce J'ai que tu peut-être as, ça, oui, tu là, as un peu ici. exagéré la courbe, je trouve. OK. Peut-être ça Ouais, mais ici. ça, c'est un exemple de, on va dire, le manque un petit peu d'observation du début. Parce qu'en vérité, normalement, ce qu'on aurait dû faire, c'est un petit dessin de pratique avant, pour t'échauffer. Ouais. On aurait tourné la page, et là, tu aurais commencé vraiment ton dessin. Ben, Et comme le ça. petit essai de pratique, l'idéal, ben, c'est de le faire là-dessus. Admettons, tu fais ça très, très grossièrement, ce modèle-là, là, pendant, je sais pas moi, seulement 5 minutes, 5-10 minutes de ça. C'est bon, je me suis entraîné, j'ai vu un peu, je tourne la page et là, je commence le vrai dessin. Ça marche mieux quand on fait comme ça. C'est comme ça que je fais moi aussi, que je pratique. Tu sais, je ne vais jamais partir sur le dessin. Quand je donne un cours en vidéo, là, je ne vais jamais partir tout de suite sur mon dessin du cours en vidéo. Je fais un petit peu d'échauffement, je tourne la page et là, je suis prêt à commencer. Donc là, on peut excuser tes erreurs du début. C'est ça, tu feras attention, par exemple, que cette ligne-là qui est très noire, on ne la voit pas. Il n'y a pas de noir là. Non, non, Surtout que. j'ai fauché C'est la ça, tu forme. vas l'estomper, mais sur la droite, pas sur la gauche. Ah oui. Regarde bien, ton découpage est ici, là. Ça découpe, il est plus foncé derrière que là. Tu ne fonds pas ici, là. Ah non. C'est là-bas que tu dois fondre, pas ici. Ici, tu vas revenir effacer avec du blanc pour remettre ta lumière. Hein. Regarde bien, de quel côté ça s'estompe le plus. OK, comme ça. Voilà. Ça se tombe un petit peu, hein? Parce qu'au final, c'est ça, ta ligne est trop foncée, là, il faudra revenir Ici, un je petit peu. m'en viens ici parce que Tout c'est... en douceur, là, effectivement. C'est très fondu, là. Ça ici, c'est un petit peu plus foncé. Oui, là aussi, puis un peu plus découpé aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Vas-y doucement, vas-y doucement. Tu me fais peur, là. Ah, oh ben, t'es un bon professeur, Je écoutez. pense que oui, c'est ça. Donc, si tu vas plus franchement qu'au début, c'est parce que là, tu as pris confiance. Ouais. C'est ça. Mais c'est sûr que quand on regarde ton dessin, on voit vraiment un drapé. Ah C'est ouais. sûr qu'en regardant le modèle à côté, on va trouver des écarts, on va trouver des différences. C'est tout à fait normal puisque tu n'as pas fait un quadrillage, tu n'as pas fait une mise au carreau. Tu es parti drette là-dessus. Drette là-dessus, hein, c'est du québécois, ça veut dire tout droit là-dessus. Ouais, mais je pense avec mon parler, ils sont habitués. Ouais. Mais on voit que c'est un drapé. Voilà. Après, il y a effectivement encore un petit peu des améliorations à apporter au niveau des certaines lignes de contour qui sont soit trop fortes, trop découpées, ou au contraire, pas assez fondues. Ben, c'est la même chose, trop découpées. Non, c'est ça. Généralement, c'est plutôt trop découpé, un petit peu. Donc, pas assez fondu, oui.
Mais c'est bien, c'est vraiment très très bien, oui. Tu es fière de moi? Oui. Ok. Je me rappelle quand je montais tes vidéos et tu faisais ça. Bon, prochain exercice, tu feras la reproduction du Sacre des Horaces. C'est quoi ça? De Jacques-Louis David. C'est un tableau où tu as quatre personnages, des Romains, tous habillés avec des beaux drapés sur tout leur corps. Ah ouais. Même ici, ceux qui voient le modèle à la caméra ne le voient pas comme ça. Effectivement, on n'a pas le même angle de vue, non. Donc on regardera ça après. Je ferai une photo d'où tu es exactement. Et on pourra vérifier de ce qu'on fera quand tu auras terminé de dessiner, que tu seras fatigué. On fera une pause, là, on va regarder un petit peu. Je vais venir faire une critique constructif de ton dessin, puis on arrêtera là, parce qu'il est évident que c'est le genre de dessin que tu voudrais peut-être peaufiner après une longue pause, revenir dessus, peut-être encore 1 heure, 2 heures, on ne sait pas. Hein. Et d'un dessin d'exercice, ça peut se terminer en chef-d'œuvre hyper réaliste. Hein. Voilà, parce qu'on peut, avec du fusain, apporter, on va dire, les suffisamment de détails, on va dire, de fidélité au dessin par rapport au modèle, jusqu'à ce qu'on dise, mon Dieu, on dirait une photo. C'est faisable, mais c'est sûr que ça prend énormément de temps, et ça n'est pas non plus le but aujourd'hui de la démonstration. Non. Thank you.
Je veux dire, si on fait ça, c'est pas bon. Bon. Oui, ça fait, des fois, ça marque un peu le papier. Fais-le plutôt avec un fusain à plat, des choses comme ça. Un peu plus gros à plat, là. Un plus gros, c'est mieux, un plus gros, parce que c'est lui qui fait des marques. Voilà. L'important, c'est que ça, tu viens le fondre avec ton noir. OK? Je vais juste te montrer sur ton dessin. Entre ça et ça, tu peux fondre. Tu vois-tu? Par contre, lui, le blanc, il doit découper devant. Ouais, hein? Celui-là, là, ouais. Oui, c'est ça. Puis tu peux mettre encore un peu du noir. Tu peux vers la droite, le fondre plus. Ah oui, j'ai pas vu, c'est vrai. Oui, c'est ça. Là, voilà, tu fonds jusqu'à ta ligne. C'est ça. Parce que ça, ta ligne, c'était devenu une ligne de. Ah non, fais pas de découpage. Fais pas de découpage. Non, ok. Ah, ok, je vois, c'est l'ombre que tu as fait là. Okay, ouais, bon, ouais, c'est l'ombre que ouais, j'ai. Ouais, mais là, t'es trop sur le bord du papier. Tu n'aurais pas dû faire ça. Bon. C'est pas la peine d'aller si loin, disons, voilà. Ouais, tu fonds là, après tu refais ta ligne droite de lumière. Tu fonds tout ça, là, ça va être super beau. Ça, c'est la ligne de lumière. 2 secondes? Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, fond tout, c'est bon. Le pire, c'est que je le vois. Tu le vois, mais pas au même moment que moi. Non, mais c'est ça. Toi, tu le vois tout de suite parce que tu... T'es, pourquoi? Pourquoi je le vois tout de suite? Parce que je suis loin. Oui, c'est ça. C'est ça? Et c'est pas moi qui le fais. Donc, moi, j'ai la vision du spectateur, tandis que toi, tu as la vision de tu dis, ah, de l'acteur. Mais, même eux autres, ils vont dire, « Ah, ben moi, Linda, j'aurais fait ça. » Puis après, il me voit le faire. Ouais, c'est ça. OK. Je suis rendue où, là? OK. Ça que j'aime pas trop. Et après, il faut faire toujours attention aussi de ne pas défaire quelque chose qui était beau aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Il faut savoir se limiter, s'arrêter au bon moment, ouais. De pas trop en faire. Des fois, on veut que ce soit parfait, puis oh, ben, finalement, on a défait quelque chose qui était mieux. Des fois, c'est simplement parce que pendant qu'on le fait, on a le nez trop collé dessus. Ouais. On est trop proche. Ça, ici, une petite ligne blanche. Il ne faut rien faire sur ton dessin sans savoir pourquoi tu le fais. Je dois foncer ici, je fonce. Je dois fondre, je fonds. Je dois découper, je découpe. Mais il faut toujours savoir... Pourquoi? Oui, pourquoi? Ben, c'est parce qu'on l'a vu comme ça. Mais bien observé, toujours pareil. La raison, c'est ça. Je le fais parce que je l'ai vu. Pourquoi? Ben, parce que je l'ai vu comme ça. Ne rien inventer. Fait quand tu as des beaux drapés comme ça, après, on va dire que tu vas aimer ça, faire du drapé comme ça, par exemple, dans une nature morte. Ouais, ben je pense que je vais le refaire, tu sais, pas devant la caméra, puis je le remontrerai. Voilà, quand tu le feras, que ce ne sera pas devant la caméra, tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile aussi. Ouais, ça, j'ai comme une petite pression de dire, il faut que je le fasse bien, là. Oui, ben oui. Ouais. J'aime beaucoup les drapés des natures mortes de Cézanne, par exemple. Ah ben oui. J'aime plus le petit.
J'allais faire ce petit bout-là, puis je pense avoir fini. Oui, aussi, il faut se dire, bon, ben, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, parce qu'on pourrait continuer encore pendant 10 heures, comme je disais, pour obtenir un résultat très, très réaliste, et puis ce n'est pas vraiment le but. Il faut rester dans le plaisir et non pas dans la fatigue. Ok, ce que je fais, là, je vais travailler avec mon efface. Peut-être plus facile que la fin. Comment tu fais ça, toi? Attends. Ce que je vais faire, là, je vais faire ça ici, là, le... Pardon? Attends un petit peu, je vais c'est regarder. C'est lui que j'ai de la difficulté. Alors, je vais juste m'approcher pour voir. Je m'excuse si je me mets encore devant la caméra. Pour voir ce que tu vois. C'est celui-là, là, avec plein de plis. OK. Donc, tu es en train de parler de ça ici, là. Ouais. Hein? Ouais. Alors, tu sais comment tu vas le faire? Non. Ben, comme tu le vois. Je sais, mais je me suis dit que si je le mets comme ça, mais là... OK, là, tu viens de rendre tout ça gris, c'est super. Dans tout ce gris, regarde, est-ce qu'il y a un endroit où tu as une lumière à placer assez forte? Et comment la placer? C'est quoi sa forme, son inclinaison, sa direction, sa longueur? Et là, tu prends ta gomme à effacer, tu viens faire ta ligne de blanc comme il faut, ou deux, ou trois, s'il y en a trois. Et après ça, avec le foncé, tu vas venir remettre des foncés là où il doit y en avoir. Tu vois, tu dessines encore. Donc, c'est comme ce que tu as fait pareil ici, mais là, en plus petit. Je dessine avec les faces. Oui, tu dessines avec la gomme à effacer tes lignes blanches, tes lumières. Okay. Une à la fois. Okay. C'est comme ça qu'on fait. Une à la fois, c'est plus facile. Je viens de faire ça ici, là, parce que ça me fatiguait, puis je l'ai remarqué. Là. Oui, un petit ombrage là-dedans. Puis au fur et à mesure qu'on rentre dans de plus en plus de détails, on va en trouver d'autres et en trouver d'autres, et ça n'en finit plus. Tu sais, un petit ombrage ici. Des fois, on va même jusqu'à voir un peu la... Des fois, la texture du tissu apparaître et plus on en remarque et plus on en rajoute. Il ne faut pas oublier aussi que tu peux utiliser la technique des yeux plissés pour voir ce qu'il y a de plus important et éviter de trop rentrer dans les petits détails. Ouais, je vais arrêter parce que sinon, je vais faire ça. Attention, n'oublie pas que si tu as un tissu qui passe devant, qui doit rester découpé net. Et droit. Oui, il n'est pas droit ici. La lumière, on parle de la lumière où tu viens de mettre une tache foncée avec ton doigt, là, lui. Là. Non. Regardez bien, ça, c'est ton tissu qui passe devant. Attends, il y a lui, il y a lui. Oui. Lui, c'est noir, il passe devant. Ah.
extrêmement dur en fait. C'est surtout ton coin que tu viens de finir tes détails là. Est-ce que c'est correct tout ça? Oui. Oh oui. Regarde sur l'écran, le grand là-bas. Bah, moi je trouve bien quand c'est même. C'est bon, ça ressemble à ça ce que tu vois, oui. Ouais. Ok, c'est bon. Ben je trouve que ça, oui. Ah, mais peut-être ici, là, peut-être un petit peu plus foncé pour découper. Attends, je vais voir. Ok, moi je pense qu'il y a un petit truc à ranger en haut, je vais te l'expliquer, ça va être très simple. Ok, ta main ici, là. Attends, il y a ça, sur la ligne. Ah, ça c'est ici. Ok, quoi? Ok. Je pense... Alors, je vais juste regarder un petit peu. Ça ici, je ne comprends pas trop. Je pense que... cette ombre ici, là, va venir vraiment rentrer, rejoindre ici, celle-là. Mm-hmm. Au minimum, celle-là. Mm-hmm. Ici, il se passe quelque chose de bizarre, là, tu vois. Ça devrait finir par une tache plus foncée, estomper tout ça ici, là. Pour représenter ça. Regarde ici, là, ça. Ça. Ah oui, puis cette ombre, là, qui est très forte, elle rejoint là, tout droit, là. Tu vois, tu... Ah oui. Tu le vois, ça? Mm-hmm. C'est-à-dire que ça devrait vraiment être rejoint. Ben, tu l'avais ici, alors, mais c'est trop courbé. C'est trop courbé. Tu sais, quand je te disais, c'est droit, ça descend droit, là. Mm. C'est droit. OK. Comme ça. Ça, pourquoi je... Tu courbes trop, remets ça droit. Enlève-la, cette courbe-là. Là. Okay. Voilà. C'est... Fonce pas trop, c'est à peine foncé, à peine, mais c'est plus grand, plus large, tu vois. Mm. Alors, il ne faut pas confondre plus intense et plus grand. T'es... Il faut vraiment essayer de trouver... Là... ce qui va ressembler le plus. Déjà, c'est mieux parce que tu avais une forme qui était vraiment trop forte, trop définie. Attends, si, je sais qu'on peut... Et il faut tout estomper dans le bas ici, là, un petit peu plus. Là. Ouais, ça c'est trop foncé, c'est trop... Voilà, c'est mieux comme ça. C'est blanc, un petit peu plus blanc ici. Ouais, c'est surtout la forme qui est mieux aussi. Ouais, ok. Ça ici. T'as celle-là, mais t'as ici, t'as du blanc. Mm-hmm. 2 secondes? Oui. Je vais essayer de montrer ça. Cette lumière que tu as ici, là, faut que tu la remontes jusqu'à l'intérieur, là-bas. Elle s'en va disparaître. Monte-la un petit peu plus haut. Entre les deux? Celle-là, là. Ouais, tu la montes un peu plus haut, ici. Ok, ça vient ici. Un petit peu, voilà, pas plus, c'est bon, c'est bon. Ah, déjà, c'est mieux. Ouais, un petit coup de doigt pour rendre ça tout plus flou un peu, c'est super, là, voilà, tiens. Ici, il y en a, ici, ici. Regarde bien ce que tu fais sur le grand écran. Sur l'écran, donc regarde de loin. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'après, à un moment donné, quand tu travailles trop, beaucoup, beaucoup dans les détails, comme ça ici, les petits détails, là, tout ça, là, on veut trop faire pareil, parfait, parfait. Et ta dimension de travail devient petite ici, là. Alors que là, tu avais une dimension de travail qui était grande. Et ce qui se passe, c'est que tu risques de trop marquer tes détails ici, c'est-à-dire des découpages trop forts, tu vas trop agrandir tes formes, tu vas trop... contrasté par rapport au reste et tu as perdu ta vue d'ensemble. Ouais. Donc quand tu fais des petits détails comme ça ici, là, regarde toujours de loin, qu'est-ce que ça donne par rapport au reste? Est-ce que je ne suis pas en train de trop marquer mes petits détails? Parce que si tu fais des petits détails ici, attends un petit peu, regarde, si tu fais des petits détails ici, là, il va falloir que tu marques ce pli, celui-là. Et là, tu comprends, tu rentres dans une autre dimension où tu vas devoir tout faire. Comprendre, c'est ça, il faut garder l'unité dans tout ça. Mais qu'il suffirait, sur ton dessin, là, suffirait, tu vois, cette tâche-là, de l'adoucir un petit peu. Remettre, prends ton doigt, tu pousses du foncé un peu en bas ici, tu pousses du foncé un peu à gauche ici, et là, ça ressemble plus à ce que tu as vraiment sur le modèle. Ok. T'es, par rapport à l'ensemble, par rapport à tout le reste. Ça, c'est peut-être trop un petit peu... C'est ça, il y a un travail après, vraiment, d'observation de l'ensemble, un travail d'unité dans tout l'ensemble du dessin. Je pense que j'ai fini.
pour une première, là. Puis... Ben moi, je dis c'est très bien. Pour une première. Ah oui, c'est très, très bien. On efface. Fait que... C'est bon? Ouais. Alors, bravo Linda. Bravo, ouais. Mais on peut... Mais je laisse-le comme ça, là, puis... Ah zut! J'ai oublié de partir une caméra. Faut tout recommencer. C'est une niaise. Oui, c'est une blague. C'est pas grave. Ben, lui, il va vous dire c'est quoi le dessin. Non, mais non, je pense que je vais le recommencer. J'adore ça. Parce que c'est vrai, on c'est pas un rideau ou un drapé qu'on fait, c'est qu'est-ce qu'on voit. Vraiment. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, et voilà. C'est d'apprendre. Ouais. Alors, c'est sûr, bon, je pourrais m'asseoir à sa place, et là, je vais bien voir comme elle le voyait, puis je peux trouver des petites différences. Ah, ben là, ça aurait pu être un peu plus pâle, un peu plus foncé, un peu plus découpé, un peu plus fondu. Comme si je l'avais fait moi-même, à un moment donné, ben, il aurait fallu que je m'arrête, je m'en vais, je sors de la pièce, une heure ou deux, puis je reviens, je me reassois, et là, je vais le regarder à nouveau avec un œil neuf, et là, je vais trouver encore des différences. Je vais dire, ah ben là, j'ai trop foncé, j'ai trop pâli, c'est pas les fondus, les dégradés. On pourrait, comme je dis, travailler ça encore pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, jusqu'à la recherche de la ressemblance avec le modèle parfaite. Autant dans le dessin, les proportions, que dans les ombres, les lumières, tous les contours. Et là, on dirait, mon Dieu, mais le dessin, on dirait plus un dessin, on dirait une photo. Mais peut-être je vais continuer même. Mais c'est pas vraiment le but, ni ici, dans cette vidéo, ni dans notre, on va dire, notre activité artistique, qui fait que ce genre d'exercice reste un exercice pour nous familiariser avec l'observation, nous améliorer dans l'observation. Et être meilleur en peinture aussi. Et j'ai adoré ça. Franchement, là, ça a été toute une expérience. C'est sûr que j'aurais probablement aussi à corriger. Mais pour une première, je trouve quand même très, très bien, là. Moi, je pense que c'est très bien aussi, hein, c'est sûr. Oui. Alors, comme je disais, il peut y avoir des différences, c'est pas parfait, mais elle aurait pu travailler dessus encore des heures, ça a quand même duré quoi? Je n'ai pas vraiment chronométré, peut-être 1 heure et demie au total? À peu près 1 heure et demie au total. Mais c'est pas pire, toi, tu disais, tu le faisais dans une heure. Avec toutes les retouches. Ben, peut-être, je ne sais pas, c'est ça qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas vraiment évaluer le temps qu'on va passer là-dessus. C'est parce qu'on... Comme qui me disait aussi, de ne pas trop recommencer les places que tu fais. Répéter. Il fallait que de temps en temps, je lui dise, non, attends. Mm. Tu sais, c'est parce que des fois, on veut trop pousser dans le détail à certains endroits. Ouais. Puis on a perdu l'effet d'ensemble aussi. Il faut faire très attention. Oui, c'est ça. Sinon, c'est la même chose pour dans la peinture. Hein, si on focus à une même place. Là. Oh, oui. Le but de cet exercice, c'est ça. C'est la meilleure école. Meilleure école de peinture. Même si ça, c'est du dessin, c'est du fusain, c'est la meilleure école de peinture parce que c'est ce qui va vous exercer vraiment dans l'observation. L'observation que vous allez pouvoir appliquer après dans toutes les vos tableaux de peinture, que ce soit du paysage, du portrait, de la nature morte, peu importe, on aura toujours à appliquer ce sens d'observation, bien entendu, dans le figuratif, pas dans l'abstrait. Puis même si votre figuratif, il est très impressionniste, s'il est même expressif, on sera obligé, pour représenter nos éléments, d'aller chercher les ombres, les lumières, tout ça. À partir du moment où vous n'êtes pas dans le, on va dire, l'abstrait ou le semi-abstrait, parce que si on prend les tableaux, par exemple, certains tableaux de Matisse, on n'a plus vraiment les ombres et lumières parce qu'il a travaillé tout en couleur, donc en coloriste, et puis aussi il a déplacé des éléments, il a volontairement déconstruit certaines perspectives. Donc là, c'est vraiment quelque chose à part, complètement à part. Mais dans le figuratif, il vaut mieux faire ce genre d'exercice. Ça, c'est sûr que ça va vous aider pour tout ce que vous aurez à faire après. Et le drapé, l'avantage, c'est que ça n'est pas quelque chose qu'on connaît par cœur. Non. On fait un portrait, je fais un œil, une bouche, je pourrais dire c'est un œil, c'est une bouche. Hein, il y a des lèvres, tout ça. Et là, c'est là où on va perdre un peu ce sens de l'observation et qu'on va le remplacer par le dessin à base de notre souvenir, de notre connaissance. Tandis qu'un drapé, on le déplace un peu, il est complètement différent. Je déplace la lumière, il est complètement différent. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut faire d'après le souvenir. Et c'est là où on est obligé d'utiliser vraiment l'observation.
Beaucoup. C'est Surtout, ça. mais moi, j'ai trouvé que c'est beaucoup de lignes, mais les préciser parce qu'ils ne sont pas à bonne place. Oui, c'est ça. Ça a été du travail. C'était du travail. Ouais, Alors c'est bien. voilà, donc cette vidéo s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu, que vous allez en profiter. Et vous aussi, vous allez vous amuser à faire vos beaux drapés sur le motif, non pas d'après photo. Alors n'oubliez pas qu'il y a un lien dans la description sous la vidéo sur lequel vous pouvez cliquer pour obtenir ce cours de peinture de paysage en peinture à l'huile et en peinture acrylique. La peinture de paysage facile, c'est gratuit, ça dure 6 jours. Puis après, vous avez encore 2 cadeaux qui vont vous suivre pour le 7e et le 8e jour. Si vous n'avez pas reçu, admettons, une fois inscrit, vos emails pour aller vers chaque journée, vérifiez dans les spams. Vérifiez beaucoup dans les spams parce que souvent ça arrive là. Mettons, vous avez reçu l'email pour la journée 1, la journée 2, puis vous ne recevez pas la 3, pas la 4, puis vous recevez la 6. C'est assez décousu, on ne sait pas pourquoi. Allez vérifier dans les spams, vous allez les avoir. Lorsque vous êtes rendu journée 3 ou journée 4 ou après la 1, vous allez avoir en dessous des vidéos le lien pour aller faire les journées précédentes. Si des fois vous n'avez pas reçu le lien pour la journée 5 mais que vous avez le 6, ben dans la journée 6, en dessous, vous allez voir les liens pour aller voir la journée 5, 4, 3, 2 et 1. C'est important de le savoir aussi pour ne pas paniquer, nous écrire, tout ça. C'est bon, donc c'est gratuit, inscrivez-vous, le lien est sous la vidéo. Merci beaucoup aussi de liker, mettre les pouces en haut pour cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. Puis si vous avez des commentaires, je suis sûr que vous allez en avoir, marquez-les aussi dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Mais surtout, ne soyez pas trop dur, pas trop difficile avec Linda. Ah non, ben, à la prochaine, pour une prochaine fois, on va essayer. Oh, j'aime ça venir le mercredi, parce que je m'ennuie de vous, hein, le samedi, là, c'est pas Ouais. assez pour moi, ça fait trop, fait que le mercredi, mais ça me pratique, Oui. hein, excusez, ça me pratique beaucoup, puis j'aime ça. Voilà, peut-être tu feras mon portrait. Non, je l'ai Nu. déjà fait. Nu. Nu, bon, il recommence. On va se tenir sérieux pour le mercredi, Voilà, hein? c'est ça. OK. Retenu, hein? Alors, ben voilà, on se retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.